Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Elden Ring. Et du coup, je viens de me rendre compte que on n'a pas fait cet endroit-là. Là-haut, regarde. Lui, on l'a jamais vu, je crois. Et on n'est jamais monté là, surtout. Mais je viens d'y penser, peut-être qu'on y va tout simplement avec les racines, tu vois. Donc let's go, nous allons grimper enfin sur ces racines et découvrir la suite. Le tout, c'est de ne pas tomber. Ok. Lui là, il va être chiant. Il va être très très chiant, je pense. Ou alors je fais ça. Non, je vais faire ça. Ok. Wesh. Toujours plus. Ça va en vrai ça se passe tranquille. Bon, faut qu'on descende là parce qu'il y a du loot sur le teco. En vrai, je peux remonter là, non? Je pense. On peut pas monter plus haut, je pense pas. Ouais, ça paraît compliqué. Il y a un respawn, regarde, attends. On voit qu'il y a une statue de Marika. Donc à mon avis, il va y avoir un... Attends, je suis un peu le mec. Ah ouais, il spam lui, hein.
Une sacoche à talisman. J'ai pas vu combien j'ai eu d'âmes. Putain, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu 60. 103. Non, j'en ai eu 80 000, je crois. Je peux avoir plus de talismans. Putain, sérieux? Incroyable. On va regarder à quoi ça correspond, la sacoche à talisman. Si je la trouve. Là. Ah bah c'est pour en avoir plus. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Augmente l'enduit. Augmente la récup d'enduit. Augmente la force de 5. Ça fait quoi? Ah oui, mais tu prends plus de dégâts. Ça peut être pas mal ça, les coups critiques restaurent des PC. Augmente la défense quand vous... Ouais, ça on s'en fout. 100... Soit je mets la régène d'enduit. Soit augmenter mon enduit. J'ai combien de base? 140. Et là, fais voir ça... Ah, je vais mettre la régène d'enduit, je pense. C'est... Ça me paraît mieux. Bon, bah, du coup, on va passer un level. Hop, on a 90 PC. Je pensais pas que le boss paierait autant, tu vois. Sanctuaire de l'Arbre-Monde. À mon avis, il faut allumer peut-être les feux, je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est des feux. Ça se trouve, il y a juste du loot. On peut monter sur la racine pour aller plus haut. Y a rien là? Je sais pas si je monte sur la racine direct. Ouais, si. On va faire ça. C'est la suite ça en fait, putain, moi je veux pas. Et là si je veux je peux aller sur le toit. Vas-y on y va. Hein. Ça nous remet ici.
je vais remonter, je pense. Putain, je sais pas ce qui est la suite et ce qui ne l'est pas, ça me saoule. Ah bah c'est là où je voulais aller tout à l'heure, ok. Attends, faut que je mette un point, putain, mais c'est... Je mets un point là, faut que je me rappelle que c'est en haut, quoi. Ça m'a fait peur. Ah bah c'est ça le chemin annexe, ça sert à rien ici. Ok. Du coup si je descends là ça me sert à rien non plus parce qu'on connaît, on a déjà fait. Ok. Donc j'avais raison, c'était bien la suite en haut. C'est la nuit là? Ouais non. I am not a man of the night. Allez, quand tu veux. Merci. Je voulais regarder un truc. Comment je fais pour attraper ça?
On peut pas monter là, je crois. Ça me fait glisser. Je sais pas comment l'atteindre ce truc là. Espèce de berceau bizarre. Ah, de l'autre côté, ouais, ok. Bon, comment on va de l'autre côté du coup? Ah, ok. Il doit y avoir un. Ah, la fenêtre, j'avais pas vu, regarde. Stylé. On va juste voir où c'est. Ça doit être un recoin de la grande pièce. Ouais, c'est ça. Ok. Putain, j'ai failli passer à côté de plein de trucs là. Et je suis certainement déjà passé à côté de plein de trucs. Ça, c'est sûr. C'est tellement grand, la ville. Alors du coup, c'est quoi ce délire là? Principe de l'ordre d'or. Objet clé. C'est pour avoir des sorts. Ok. Putain, je suis trop con. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on avait terminé le haut. Et maintenant la suite. Et je crois que... Ouais, c'est bien ça. Combat de boss. Putain, je l'avais pas vu. Ok, c'est pas ça que je voulais faire. Je sais pas qui c'est, mais il est classe. Il est classe, ce bonhomme. Chambre de la reine. Donc on va affronter une reine. Et un truc de pour les potes là, pour les invoquer ici. À mon avis, c'est un boss qui va me donner du fil à retordre. Et c'est un vrai boss, avec une cinématique et tout. What is thy business with these thrones? Godric the Golden. The twin prodigies. Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rikard. Rikard, je l'ai pas fait encore. Luna Princess Rani.
Et Rani non plus. Willful traitors. Oh. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Have it writ upon thy meager grave. Felled by King Morgoth. Morgoth. Last of all kings. Exploser, ouais, c'est sûr. Bon bah Morgoth c'est fait. Allez, bye bye. Easy Morgoth. None may claim the title of Elden Lord. Thy deeds shall be met with failure, just as I. Il est mort? Ouais, là ça est fini. Ok. Il m'a donné quoi? Juste ses runes, hein, je crois. Permet d'obtenir le pouvoir de son homonyme par l'intermédiaire des doigts. Et il a bien payé, par contre. Très très bien payé. Je crois que j'avais 20 000, non? Il a payé 120 000, un truc comme ça. Je peux pas me TP ni rien. C'est bizarre parce que là... C'était que le premier boss, il y en a deux genre. C'est bizarre. Ça semble traquenard. Je suis censé faire quoi là? Ah, il y a un feu. Ok... Que j'ai pas... What? Mais il a spawn... Après, il y était pas tout à l'heure. On va passer... Ah. Hello again, old friend. Allow me a moment to converse with you. Vas-y. You are unable to enter the Erdtree.
No, prevented by the mantle of barbs. The thorns are impenetrable, a husk of the Ur tree's being that spurns all that exists without. The only way to stand before the Elden Ring and become the Elden Lord is to pass the thorns. My purpose serves to aid in that very act. So I'd like you to undertake a new journey with me to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain tops of the giants. Then I can set the Ur tree aflame and guide you down the path to becoming Elden Lord. Shall I turn your runes to strength? Let my hand rest upon you for but a moment. Share them with me. Your thoughts, your ambitions, the principles you... I wish to journey with you once more to the Flame of Ruin, far above the clouds, upon the snowy mountain, and guide you.96 en esprit, c'est pas mal. Je vais avoir de nouvelles invocations. D'ailleurs, je pense que le deuxième mage, ouais, c'est 89, donc maintenant on peut l'invoquer. Et peut-être qu'il est un petit peu mieux. À voir. Lui, il est à 95, on pourrait l'invoquer, mais bon. C'est un truc de cag, donc ça m'intéresse pas forcément. Ça, c'est mon trône, je reconnais. Waouh! Bref, du coup, elle a marqué un endroit. Ok, donc ça, c'est pour aller dans la nouvelle zone. Grand ascenseur de Rold. Ça, c'est ma mon contrat, là, d'assassinat. Je pense que, vu que c'était un boss majeur, je pense qu'il faudrait aller parler à la table. À la table ronde, parler un petit peu à tout le monde, voir ce qu'ils ont à me dire. Et surtout, après j'ai pas beaucoup de dames, mais échanger le souvenir là contre son arme, etc. Et d'ailleurs, vu la gueule de l'épée qui se traînait, je pense qu'on aura une épée qui est similaire au Croc du Limier, parce qu'elle avait un petit peu la même gueule, l'arme. Donc voilà. Hello. You've been busy weeding Deathroot. I thank you. So what can I do for you? There are four more demigods yet to be located. Mikala of the Halig Tree, the Unalloyed, his twin, Melania, the undefeated swordswoman, Luna Princess Rani, daughter to Renala, and
the one only known as the Lord of Blood. Rani is said to have cast aside her great rune. So here at the Hold, we seek the whereabouts of the remaining three shard bearers. If you should learn anything of these matters, I'll trade your findings for a hidden treasure or a long-lost rite known only to me. We both desire to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. As such, I hope we are compelled to work together. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter. I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. If you're heading to the Forge of the Flame of Ruin, in the snowy mountaintops of the Giants, you'll need to find the Grand Lift of Rold. Beyond go if you would. Take no heed of Cardinal. The two fingers lost their purpose along. Ah ouais, du coup lui on l'a pas trouvé, je m'en rappelle. Il est dans la capitale là, mais je sais pas où il est. Je l'ai pas trouvé, il doit être bien planqué. Hein. Ah, il a disparu, Roger. Ils ont viré son cadavre. RIP. Greetings. Are you here for spirit? Je crois que le troll, il commence à me parler. RIP. Lui, c'est un étudiant, tu vois, et lui, il suivait un cursus représentant l'élite, nanana. Donc, à mon avis, si on l'améliore, ça peut être pas mal. Bon, lui, il me parlait, je l'ai coupé, désolé, gros. Ok. Je vais vendre des trucs. Ça, je peux pas y appliquer sur mes armes, du coup on vend. Ça, on vend pas, surtout pas. J'irai sûrement te voir pour améliorer mon sorcier. Toi, je veux pas que tu me touches. Ok. Faut qu'on aille voir les doigts. Ils sont dressés. Well, you managed to return. You know what this means. The Earth Tree has burned you. The fingers remain still, shaken by this turn of events. They are busy consulting the Crater Will. When they are finished, the fingers will again offer their guidance. But thousands, if not tens of thousands, of moons must first pass. No matter for me, but you. How will you ever manage the wait? My, oh my. Alors, c'est quoi, c'est un talisman? Je sais pas.
consomme des PC pour libérer une multitude de spectres qui traquent vos adversaires. Et du coup, c'est un espadon courbé, donc j'avais raison. Il scale sur... Putain, quand t'es en dext, t'es content d'avoir ça. Hein. Il scale bien sur la dext. Et un peu d'ésotérisme, il fait du saignement. Du coup, j'ai pris l'épée, ça m'a coûté 0. Homme du roncier. Ok, m'en fous. Heavens forbid. That is not the domain of mere men. The burning of the Erd tree is the first cardinal sin. And you say you seek the power of the rune of death too? The rune of death goes by two names. The other, the forbidden shadow plucked from the golden... unleashing the rune now would be unthinkable. The fingers would never permit it. Nor would the greater will. But here we are. The fingers dormant, severing a realm and all life in ruins. Impossible. Who is to say that the cardinal sin must be? Go on. Take the course you did. Je suis désolé de passer les dialogues, mais elle parle tellement lentement, la dame. Bon bah du coup on va retourner voir la meuf là, Roderica, et on va améliorer. On va améliorer le mage, donc c'est celui-ci. Du coup, il est amélioré au max de ce qu'on peut faire. Donc c'est celui-ci. Ça m'a coûté 15 000, un peu moins. Du coup, j'ai eu un petit tips de la part d'Azu qui m'a dit que à ce niveau-là, il y a un passage pour la ville de Nokron. Donc c'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai mis un petit logo ici. On se TP et boum, on va voir cette zone. Mais ce sera pas pour tout de suite. Nous, ce qu'on va faire... en vrai, je vais... Putain, mais je connais pas son nom. Attends. Faut que je retrouve le mec, là. Je sais pas comment... comment je vais pouvoir le retrouver, parce que je me rappelle pas de son nom à cet abruti. Sinon, tu sais, je me serais renseigné pour aller aider lui là. Mais il me faut une soluce pour ça. Comment il parle? Libérer l'enveloppe charnelle, égout de la capitale. Rue, du coup, Askip, c'est à l'entrée de la ville pour faire cette quête de malheur. Et j'imagine qu'en fait, c'est juste là, finalement. Ah non, ça doit pas être là. Ça, ça va m'emmener en bas. Et c'est donc ce fameux puits... Je peux pas invoquer le cheval. Hein. Ah, je pense que c'est en bas. Je vais pas chercher 2 heures, hein. C'est juste une quête annexe. Donc si je trouve pas, nick. Est-ce que ça parle d'une plaque d'égout? Oh putain... Laisse-moi tranquille, Azubi. Ah, comment je les déteste.
Comment j'ai la flemme en vrai. Putain, une plaque d'égout quoi. C'est terrible. C'est déprimant de ne pas savoir où c'est. Parce qu'évidemment, sur internet, ils ne sont pas foutus de descendre dans le puits à Lendel. Ou la plaque d'égout à l'entrée de la capitale si vous avez déjà brûlé l'arbre monde. Ah mais non, nous on l'a pas brûlé, du coup il n'y a pas en fait. Donc c'est le puits à Lendel, mais frérot, je sais pas où il est ton puits. Re, du coup, j'ai aucune putain d'idée d'où ça se trouve, mais j'ai remarqué que j'étais pas allé sur ce chemin, je crois. Ces bâtiments-là, on les a pas fait, ça non plus. Donc on va aller voir, peut-être que c'est par là. On va essayer de faire ça sans activer les catapultes. Bon, ça c'est des victimes, hein. Rien à foutre. On va faire ça en deux spies. Hein. Ok, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut se lock ? C'est passé un truc là. Ah j'ai eu un... Ça c'est pour ce restat, ok. Bon c'est quoi ces ruines? Ça veut pas me dire le nom. Allez, c'est pas vraiment un combat, c'est des fleurs là. Laisse-moi tranquille. J'aimerais bien regarder la map. Ah, il y a complètement un foil qu'on n'a pas regardé quoi. Bon bah, comme quoi on n'avait pas tout fait. C'était le feu du puits, chemin des remparts. Ok. C'est pas ce que je voulais entendre. Bon et là du coup il y a un petit chemin.
Dis-moi que c'est le puits, par pitié. Il va y avoir un combat là. C'est une dague. Plutôt pas mal pour une dague d'ailleurs. Bref. Quel est cet endroit? Oh, c'est peut-être le puits. Oh là là, je suis excité. C'est ça, comment je suis content! C'est une tombe, ça, je reconnais. Hein. Oh l'enfer! Tombe du héros canonisé. Ah, je m'en serais passé. Bon bah en tout cas il nous restait 2-3 trucs à faire quoi. Talisman de la graine pourpre. Tiens. Augmente les PV rendus par fiole de l'arme pourpre. Ok, c'est pas ouf. Ouais non c'est bon. L'ombre baigne dans la lumière et révèle la faiblesse. Ça marche. Jackson. Et ouais, du coup, je suis censé faire quoi ici? Ouais non, vas-y, j'ai pas envie de tomber.
Wesh! Ah, je... Ok, j'ai capté. Je peux rien leur faire. Faut que je les amène à la lumière, je crois. Ouais, c'est ça. Il va y avoir un gros là. Ou le sol il se casse. Non, je pense que le sol il va se casser quand je vais aller en haut là. Enfin, dessus. Cendre de soldat de Lendel. J'avais pas ça? Ah non, j'avais pas. Stylé. Bon, allez. Bon, j'évite de dépenser mes potions, tu vois. Pour rappel, sur mon écran, c'est très très sombre. Bon, là, va y avoir le boss, on va se soigner. Enfin, je pense qu'il y aura le boss. Ah non, pas encore. Et ça, c'est la partie chiante! Ah, j'avais oublié qu'il y en avait une de là. Là, il n'y en a pas. Ok, putain, il s'est pas activé lui. Non. Oh, il a pris tellement cher. Lol. J'ai vu qu'on pouvait monter au tout début de la zone. Là, ça doit être pour activer, je pense. Ah non, c'est un autre endroit.
au-dessus. Ouais, c'est là-bas. Là, on pouvait monter. Ok. Bonjour. Ah putain, faut que je l'emmène à la lumière lui aussi. Mais où est-ce qu'il y a de la lumière? Fils de... Là-bas, il y en a. Bah viens. Oh, l'abuseur là, viens. Ah, ça brûle, hein. Ah, c'était lui qu'il fallait... ok, intéressant. Il fallait pas activer un levier, il fallait tuer ce gars-là. Ok, ok. On va essayer de monter là, du coup. Normalement, quand la lame, elle tombe, on peut... Hop. Hop, nickel. Donc là, c'est une petite zone bonus, on va voir. Talisman, bouclier draconique plus 1. J'en ai 6 des clés lame de pierre. Ça va, je suis bien. Waouh! Ok, non, c'est bon, tout va bien. Où est-ce que ça m'emmène là? Au début? What the fuck? Bon bah du coup let's go faire le boss. On va tester le sorcier bicéphale, on va voir ce qu'il donne. Oh, j'ai failli y laisser ma peau. Vas-y, on s'en bat avec deux. Laisse-moi tranquille, The Bio.
Ancien héros de Zamor. C'est un chevalier lui. Ah non. Waouh, ok. Et il fait du gel, intéressant. Par contre il prend cher le monsieur. Quand il esquive pas. Putain, non! Non, c'est bon, tranquille. Christophe, chevalier des dragons anciens. Plus quelques petites âmes. Christophe! Christophe! Bobo! Il est où Christophe? Il est là. 108, putain. Il fait quoi, Christophe? Employé la foudre. Ah, c'est un... Ok, il a une lance et tout. Ok. Bon, bah du coup, ça nous avance pas. Je ne sais pas où est ce foutu puits. Que chiant. Mais je vais pas passer ma vie là-dessus. Clairement. L'autre il va aller se faire foutre. Je vais pas le tuer. Du coup on a ce petit bat à aller voir. Et après on se taille. Elle est grande la zone. Hein. Ok, il y a un cimetière. Et c'est ça que je dois aller voir. Donc le cimetière. Ok, on va aller voir au-dessus d'abord. Ce serait con de le louper de peu, tu sais, le puits. Hop, ça m'en fait 7. Ça va être chaud. Super. Putain, ça me... Ah, c'est casse-couille là! Mais ouais! Il est horrible! On peut pas lui. Ok. Le lock il est horrible sur ce dragon. Ouais, tu vois, tu peux pas le toucher, ça casse les couilles. Je comprends pas que je puisse pas lui lock les pattes en fait. Bah ouais, mais si j'arrête de lock, je vois pas ce qui se passe. Non, c'est horrible. Sans déconner, il est horrible. Yes, allez. Impossible de le toucher en fait. Bah ouais, non, vas-y, ta mère, c'est bon. Casse les couilles ce dragon.
Allez, ça y est, ça y est. Je sais même plus d'où je viens, moi. Dégage. Allez. Il est pas fair play en fait le combat, c'est nul. Je viens de là, non? Ouais. On va le faire, mais déjà je vais régénérer mes pioles et tout, parce que j'avais plus rien. Je pouvais pas invoquer mon pote, je pouvais rien faire, c'est nul. Ah là là. Bah ouais. Putain, allez. Quand ça te TP hors d'un donjon, ça devrait te remettre tes fioles bien, tu vois. Parce que là, c'est nul. Bon, du coup, le... C'est chiant, parce que le truc, il va être en haut, maintenant. Moi, je veux bien faire le combat, mais... Qu'on soit armes égales, tu vois. Mais ouais, le lock sur ce dragon, il est terrible. Il est trop grand pour que tu puisses toucher son corps, mais il est trop petit pour que tu puisses lock les pattes. Donc qu'est-ce que t'es censé faire? De toute manière, les dragons dans ce jeu, je trouve que c'est les ennemis les moins bien faits. Donc... Ça se passe de commentaires. Mais je m'en doutais qu'il y aurait un gros ennemi qui arriverait vu la gueule de la zone. Mais si je peux pas invoquer mon pote, juste le dragon, je le fais pas, nique sa mère. Ah, le dragon il boude! Ah, super! Sérieux, le dragon il boude? Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, je suis en combat contre les boucs, super. Du coup, ça c'est une église, c'est pas le puits. L'arme de vie, yes. Je
chapelle de Mandorage. Bon, du coup, monsieur le dragon boude, on va essayer d'y aller, mais je pense que c'est mort. Hein. Ouais, il boude. Je peux pas aller sur la map, hein. C'est pour ça que je m'éloigne. Je sais pas où je dois aller pour... Ah si! Ah oui, c'était la porte qui était fermée, je m'en souviens, dans l'épisode, les épisodes précédents, là. C'était la porte qui était fermée. Même, je l'avais dit, quand on tuera le boss, elle s'ouvrira. Je m'en rappelle très bien. Bon, il y a clairement pas de quoi passer un level. Bon, bah, déception, le dragon n'a pas respawn, et on n'a pas trouvé ce foutu puits. Donc, voilà. Très déçu, mais bon, tant pis, hein. C'est comme ça. Du coup, bah, prochain épisode, on va découvrir une nouvelle zone. Et ça, ça fait plaisir. Et là, il y aura du challenge, je pense. Niveau difficulté, tu vois. Ça risque d'être plutôt pas mal. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode. Et on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.